Bonjour à tous les gamers, on se retrouve sur Jesso Gaming pour la suite de The Evil Waiting. Donc nous sommes rendus au chapitre 7, le gardien. Ah ouais, je commence comme ça moi, direct, déjà dans le cambouis. Super, chouette. Ah ouais, même pas de... Ok, c'est cool, c'est chouette. C'était proche. Bon, je vais dans le coin s'il n'y a pas de seringue, parce que franchement... En tout cas, là, il y a quelque chose. C'est pas ce que je cherche. Quand même, mais... Je vois l'autre côté. Parce que si j'ai pas de vie... Je commence très mal l'épisode. Hey, Joseph, est-ce que ça va? Sébastien, ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de sauter? Quand t'es au dernier étage ou... ou quand le métro passe? Imagine que t'en aies envie pendant une minute entière. Puis deux minutes et... Ça fait trois fois que tu résistes, Joseph. T'apprends à le contrôler. Tu m'écoutes pas. J'ai pas peur de perdre le contrôle, Seb. J'ai peur de ne plus avoir envie de le contrôler. Une partie de moi veut céder. Je sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à me raisonner. C'est bien plus profond. C'est comme un instinct. Et c'est de plus en plus fort. Tiens bon. Allez. Il faudra quand même m'expliquer comment il a pu survivre à une chute de la sorte. Il faudra vraiment m'expliquer là, parce que clairement là je vois pas. Je ferai bien de retrouver des partenaires. Ouais. Faut bien retrouver des seringues, ça va pas être mal. J'essaie de regarder désespérément, mais... Merde. J'en doutais que là-dedans, il n'y aurait rien eu de toute manière. Je sais même pas pourquoi j'ai espéré autant. Ah si, il y a des trucs dedans, ok. Je ne sais rien alors. Alors... Il y en a autre là. Ça peut marcher à chaque coup. Hein. Alors, du coup... C'est chic. Sympa.
J'aime bien. Hop, deux trucs là. De ce côté-là, il n'y a rien. Hop. Hop, deux balles, on prend toujours. Il n'y a aucun souci. Ensuite, il n'y a rien d'autre. On va peut-être y aller tranquillement. On va peut-être y aller très tranquillement même. Comment tu m'as entendu, mon pote, sérieux? D'accord, t'es pas très résistant pour ton poids. Voilà. Bien, je crois que je le brûle. Ok. Ok. Ah, j'imaginais un putain de monstre, quoi, parce que... Oui. Voilà. Chaque fois, tu me fais le coup, ça, mon gars. Tu vois, je te demande de prendre des trucs, et puis non, t'as pas envie. Voilà. Ah, c'est quand même dommage. Ça aurait été dommage de perdre ça. Alors ensuite. Hop. Plein. Voilà, je suis pas plein. Et la pompe. Je le recharge aussi. Comme ça. Voilà. Ça, y a plus de problème. Alors ensuite, ok, normal. Si je peux faire du bruit, hein. Franchement. Bah là par contre je piche pas trop par où passer. Bon moi je reviens sur mes pas. Ok d'accord. Ce truc ne tient pas. Ce fragment de bas-relief a été arraché d'une porte en pierre. Vous le savez manifestement de clé. Bon, qu'est-ce qui va m'arriver sur la tête encore ? Rien ? Ouais. Au secours ! Le martèlement mécanique, il revient, j'ai beau courir, il me suit. Pitié, aidez-moi, au secours, au secours, au secours, aidez-moi ! On y pensera. La meuf sans pitié, tu sais. On y pensera. Un jour, peut-être. Par contre, ça m'éblouit la gueule. Voilà. Ça, c'est un coffre fort, quoi, qui me casse dedans. C'est quoi ? Ok, c'est cool, c'est une clé. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, ensuite. Ensuite. Là-dessus, il n'y a rien d'autre. Alors, qu'est-ce qui nous attend ? Point de contrôle, ok. Ça marche. Oh merde.
Oh, c'est cool. Voilà. Sans stress. Nous accueillons tout notre amour Lily, Lynn Castellano, née le 18 juillet 2006 à 9h56, 3,31 kg, 35,5 cm. Ses parents Sébastien et Mira Castellanos débordent de fierté. Comment? Bon bah on va aller faire un tour dans ce miroir. On va aller changer nos points un peu. Enfin nos points de jolie quoi. Nos points de jolie verte. On est du genre anxieux. Je m'inspire pas confiance. Je sais pas. Je sens qu'à la fin, vraiment, à la fin de The Waiting, il va se passer quelque chose avec elle. Je sais pas. Je le sens un truc trop chum, tu sais. Oh ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va améliorer cette fois-ci? Temps de sprint. D'accord, d'accord, efficacité strong. Peut-être les strings. Quand même pas mal. Après les carreaux explosifs, enfin, on augmente les dégâts infligés. Allez, ça marche. L'harponneur aussi, je vais le faire. Ah, je sais pas si. Ok, bah, qu'est-ce que je peux faire avec les 1400 grenades? On augmente le nombre de grenades, ouais. Arme. Bon, voilà, on peut rien améliorer. Voilà, on peut rien améliorer. Je vais directement aller. Merde, c'est pas par là. Con que je suis. Là. Je vais directement aller prendre la clé. Enfin, la. Déverrouiller un coffre plutôt. Hop. Alors, lequel? Tu l'as là où, là, viens. Hop. Ah, on a des cartouches. Ça se prend, hein. Aucun souci. Je suis pleine. Allez, on en reprend un petit peu. Et on y va. Allez, directement, sans stress. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Je vais voir l'autre côté. Bon, je sens qu'il va falloir que je relève ce machin. Ça s'adapte. Il va revenir en vie. Non. Non, vous êtes pas sérieux. Bon, bah, droite. Ouais. Moi, je prends à droite. Je sais pas si c'est la meilleure solution, mais celle que je prends. Vous voyez, déjà juste un truc comme ça là, bien devant ma gueule, ça ne m'inspire pas. Mais alors vraiment pas du tout. Ce cafard
ce profiteur. Il s'est servi de moi. Il a volé mon travail. J'aimerais bien savoir comment il a trouvé la combinaison de mon coffre. Mais j'ai eu affaire pour le moment. J'y suis presque. Personne ne touchera à ces données, sauf moi. Elles sont à moi. Ma seule issue. Si quelqu'un d'autre ouvre ce coffre, il devra en payer le prix. Bien. Ce cafard, ce profiteur, il s'est servi de moi. Ça met une musique d'ambiance. J'aimerais bien savoir comment il a trouvé la combinaison de mon coffre. Mais j'ai mieux à faire pour le moment. J'y suis presque. C'est bon. Elles sont à moi. Elles sont à moi. Ma seule issue. Si quelqu'un d'autre ouvre ce coffre, il devra en payer le prix. Bon, les droits de l'entendre deux fois. Putain. Je me suis dit, faut que je me dépêche. Je sentais le mur derrière moi qui allait venir dans ma gueule. Et puis bah finalement, c'est autre chose qui m'est arrivé. Tant pis. Pour tout vous avouer, je comprends pas trop ce qu'il faut que je fasse. Donc c'est pas grave, je vais retourner. Après, je suis des voix que ça me ramenait sur la gueule, mais même pas. Même pas ça bouge. Ok, donc je peux pas faire demi-tour. Je peux pas faire demi-tour. Je regarde les murs. Ok. Merde. Ah, c'est marrant ça! Elle est bonne la blague! Elle est très bonne la blague! Ah non, celle-là on me l'a jamais faite encore! En fait, je suis bloqué. Il n'y a vraiment rien pour sortir. Du coup, j'atterris où là? J'atterris là, ok. Ah mais j'atterris vachement loin en fait. Oh merde. Bon, je fais le scénario. Du coup on va prendre vers la gauche. Ça s'adapte. Vu que la droite ça ne va pas. Attends, c'est pas un souci. Ah, du coup, le point que j'ai fait tout à l'heure, on n'a même pas fait non plus. Et bah, c'est pas grave, je vais juste prendre le livre. Hop, enfin, le livre, le carnet. Là. Tac. Et on va y aller. On va partir directement. C'est pas grave, ça, on pourra améliorer ça une prochaine fois. Hein. C'est pas important encore à 100%. Du coup, ouais, je vais partir par là-bas. Déjà, par là, ça pue la merde. Par là, clairement, ça pue la merde. Est-ce que ça me blesse, ça? Ouais, ça me blesse. Ok, donc en fait, c'est un truc toxique. Ouais, je tirais dessus, mais en fait, il y avait juste à comment appuyer sur X. Normal. Hop. Du coup, on y voit un petit peu plus clair. Bon, ça va être un peu plus par là déjà. Je sais pas ce que vous en pensez. Thank you.
Sérieux, prends tes balles à côté, quoi. Vas-y, dégage, quoi. Allez, on va le brûler. Dans l'idée que ça peut revenir en vie. Apparemment, il n'y en a pas qu'un en plus. Voilà. D'où t'es revenu en vie, toi, en fait? Excuse-moi, mais j'ai des choses à faire. Hop, je te brûle. Je prends les balles. La porte se referme, c'est normal. Ah, c'est cool, il y a des balles dans chaque machin. On fait un peu nos stocks. Ah, t'es pas mort, toi. C'était quoi l'arnaque? C'était quoi l'arnaque? Non mais franchement, le mec il m'est tombé dessus et ça m'a fait voler des pics. Ok, no suicide, c'est pas grave. Putain, c'est chiant, je sais pas comment atterrir là, quoi. C'est lourd. Oh merde. Le scénario, on a du mal à bouger le truc. Allez. Ça s'adapte. Je vais essayer de pas mourir parce que si à chaque fois faut refaire le même scénario, c'est un peu lourd. Autant pour moi que pour vous, hein. J'en conviens. Mais bon, on connaît le truc. Allez, dépêche-toi, Sébastien. Dépêche-toi, prends le livre. Je sais pas à quoi ça sert de prendre le livre, vraiment. Hein. Je pense que ça va être des trucs collector, comme dans chaque jeu, il y a toujours des trucs collector. Donc, je pense que ça doit y être. Allez, et encore, tout ce que tu peux. Allez. Il est quand même meilleure endurance qu'avant. Hein. On peut quand même le remarquer, hein, parce que bon. On savait le critiquer, mais il faut aussi le féliciter. Voilà, c'est bon. Hop, après. Voilà. Au calme. Hop, on prend ça. Sans stress. Tu t'es pris pour qui, toi? Eh oh, tu t'es pris pour qui? Hop, comme ça, l'autre, tu vas cramer en même temps. C'est parfait. Super timing. Voilà. On va attendre que les feux. Le feu s'enlève. Puis on va récupérer ça. Toi, t'as rien. Bon allez, hop, c'est bon. Tu le crames, s'il te plaît, voilà. Ensuite, c'est tout ce qu'il y a à prendre, je pense.
J'espère qu'il y a plus. On va passer 3 heures à une porte. Hein. Hop. Donc là, normalement, c'est bon. Là, ça emmène quelque part en bas. Et là, nous avons une hache. Voilà. Ok. Alors, on parle du monde. Oh putain, yes. Putain, on se corrait dans le saut, quoi. Non, mais sérieux, quoi. Bon, du coup, je vais passer par là, maintenant. T'es mort ou pas, toi? Parce que j'ai un gros doute, là-bas. Bon, allez, on prie. Ah, de toute façon, on est au max, donc on va pas faire grand chose. Hop. T'as de la chose à récupérer, putain. Tranquille. Bon. Là, on va continuer. Allez. Je prends sur un flingue de munitions. Tu peux rien faire avec ta zone. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez? La bonne blague. Ah, la blague. Oh, la blague. Allez, dépêche-toi. Voilà. Il doit y avoir une autre valve fermée, à mon avis. Forcément, tiens, forcément, bien sûr. Hein? Allez, on roule directement. Alors, je sais pas comprendre. Tac. Allez, on ferme là. Allez. Et grand temps qu'on ferme. Voilà. Ah, ça va mieux, hein, on respire mieux déjà. Hop, une petite seringue directe. Au calme. Quoi par là? Rien du tout, forcément. Forcément. Allez, on descend. Ensuite, prochaine étape. Petit point de contrôle, ok. Forcément. Non mais ah, je vais bien voir que de temps en temps je tire à côté, mais quand même. Thank you.
Allez, boum. Ça, c'est fait. Alors, ensuite... T'es pas invité à la fête, toi, garçon. J'aime beaucoup le choix d'armes que j'ai. Allez, on tape, on tape, on tape. Allez, putain. Ah, je n'ai plus de balles. Super, chouette. Je vais essayer, j'ai bien essayé de désamorcer cette connerie. Putain, comme d'hab, ça m'énerve, tiens. Pète les couilles, tiens. C'est toujours pareil, de toute façon. Fais le snipe. Au pire. Alors là, grosse question, gauche-droite. Je prends ce par là. Il n'y a pas de mission. Ok. Ok, je sais pas pourquoi. Ça fait ça. Ok. Ça marche. La question s'il m'a vu ou pas en fait. Non, t'es sérieux mec? T'es sérieux quoi? Tu me chopes dans un bug de peau de ça? Non mais sérieux quoi. Je rêve. Grenade. Ah, voilà ce que je te fais garçon. T'es pas mort mec. Tatane. Putain. Dans le doute. Voilà. Mon garçon, tu pourrais ramasser la gelée par terre. Merci. Et encore un petit peu. Voilà, merci. Je vais laisser comme ça. Juste passer par l'autre côté parce que c'est quand même dommage de faire ça si on a des munitions qu'on n'a pas pris ou du gel. Voilà, ou du gel. C'est toujours sans surprise, hein, voilà. Explosif. On a pas assez. Okay. Allez, on garçon.
aller. Et voilà. Et voilà, et c'est là qu'on se laisse, les amis. Donc on se laisse là pour l'épisode du coup 7, hein. Première partie de cet épisode. On verra comment va tourner la suite. Comment ça va se passer. Si je vais réussir à vivre malgré mes armes sans munitions, sans balles. Ah si, j'ai quand même 2 balles, excusez-moi. Je suis mauvaise langue. Voilà. Donc bah écoutez, je vous laisse là et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit les gamers. Allez, à bientôt sur Just Gaming.